Bonjour, président Marseille. Bonjour, messieurs les journalistes. Président Marseille, vous allez mon corps bailler politique au République du Congo. Vous allez mon corps bailler présent au Sénat. Au structure, il y a réflexion, il y a la carte, il y a IDPS. Tout ça, analyse ensemble. La maison de la carte de la République démocratique du Congo. Mon nom est Marseille, bonne santé, président. Oui, santé, Zakimia. En tout cas, je suis en Angola, Nzambe. Nzambe a prêté encore vie. Il y a un moment où il est sur le lot. À travers notre émission na Congo Live. Merci beaucoup, mon amboka Marseille et la carte Congo la télévision plus de 150 000 personnes basé à Scotché branché et encore nous quoi l'autre mais dans ce sujet la politique ou la République du Congo mon amboka avant la côte libre mon quoi le mon amboka dossier sur côté la dossier sécurité à partir est et la bise mon amboka oh iki qui les côtés toujours dans mon bail 123 baligny boyokani entre gouvernement Kinshasa n'a pas voir sur la porte de qui est cause la partie est. Pourquoi le gouvernement Kinshasa va se répéter pour que nous un vote pour cela, mon amboka? En tout cas, je pense que le président a répondu récemment à la question. Anna. Lors, il y a face à face, il y a un journaliste avec le président suisse. Okay. Le président a martelé sur ça. À l'OBI, il n'y aura pas un quelconque dialogue avec le M23. Je pense que le M23 n'a qu'à s'adhérer. Dans les feuilles de route, il y a Angola. Il y a cantonné dans Mont-Sabino. Et puis, les étrangers, comme le Rwanda, na Ouganda et les Congolais, vont intégrer dans le processus de réinsertion dans la société. Donc le M23 cesse de rêver. Ce temps-là est déjà révolu. Il y a un mixage, il y a un brassage au sein de notre armée. Il y a à la base, il y a une infiltration dans le cannabis, toujours généreux, il y a une montée armée. C'était à cause de ça. Aujourd'hui, bien sûr. Il y a des généraux ici dans les groupes armés, ils sont incapables de monter armes. Il y a Panza Munduki, un général de 33 ans. Il y a un moment où le président, comprenant cela, il avait répondu encore une fois pour toutes à la question Oyo. Les commets des mortels, pendant qu'on s'est posé, certains journalistes verraient, ils ont eu des informations à l'Okuta comme quoi le gouvernement Kinshasa a négocié secrètement avec le M23. Or, c'est faux. Je pense qu'il y a eu une réponse hier par le chef de l'État. Il a été clair à l'OBI qu'il n'y aura pas une quelconque négociation avec les M23. Les M23 doivent se conformer à la résolution assise au Salama qui est dans Luanda. Ça, le cantonnement est dans Mont-Sabino. Par la suite, chacun a zongi mboka naye respectif, le Rwanda ou Ouganda. Et certains Congolais, qui est un peu mécontent, on dit qu'ils zongent maintenant. La vie normale, la vie civile, la réinsertion dans la société. Mais moi, je appelle à DDRC, banale, loté, bani, moi, puis moi, calame, un veut toujours à tirer toujours mon panzi, à l'égard, même quand même, y'a un côté. Est-ce que aussi, présent, le vent, c'est que ça, bah, il m'a dit, tout à l'heure, il m'a dit, 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 il DDRCS est concerné des Congolais, non des Rwandais. Ils doivent se tromper. Tu sais qu'il n'est pas Kabila. Oh, non, c'est l'amalgame. Ils sont des Rwandais. Ils sont des Rwandais. Mais ils sont intégrés dans quatre armées. Ils sont intégrés dans quatre institutions. Voilà pourquoi okay, DDRCS est concerné rien que les autochtones, les Congolais. Oh, jadis, c'est Mekondizaki, c'est Miminduki pour nous combattre l'État congolais. Alors, il y a des concernés. Les Rwandais et les autres, tous ces mouvements rebelles étrangers, sur le sol congolais, Bazali obligé à couvrir les pays respectifs Nabango. Les ADF, les M23, les Rwandais, les Red de Tabala, les Mbororo, tous ces étrangers-là, au Basémé, terreur de trop sur le sol congolais, sont obligés de rentrer maintenant dans leurs pays respectifs. Et les Congolais, au Basémé, Kondizaki, autrefois, Bangonde Bazala cantonné, Nakatia Kindu, pour la réinsertion Nabango, au sein de la société. Au Bolinga Basala Bilanga, l'État a passé vraiment un moyen. Au Bolinga Basala Commerce, l'État a passé vraiment un moyen pour Basala réinsertion au sein de la société. Les restes, Bakouzong va payer dans le respectif. Parce que Tshisekedi n'est pas Kabila. On compte ces étrangers au sein de l'armée. Fini avec ces blagues, fini avec ces aventures, il y a des étrangers dans l'armée. Fini avec ça, avec Tshisekedi. Mais
est-ce que l'étranger va coûter l'armée à Bissot? Mais je pense que bien au Lélo. Le second mille Lélo, fragilité Oyo. Armée Nabiso et faire face na yango et ça à cause ya ba ko koti ça ba étranger au sein de l'armée toujours ba général Makenga na mboka oh les Rwandais toujours ba Mutebusi na mboka au sein des Rwandais toujours ba Bosco Tanganda oh ça na kata CPI lelo ba ça na kata armée congolaise au mona lelo fruit ya ba brassage ya ba mixage au Kabila ya na kata mboka oh nous avons eu des généraux oh ba ça qui du reste ba qui ba soldats ba matériaux na kata armée rwandaise bakomba jinho na katamboka oyo bankunda batoire sont des soldats de rang na Rwanda mais na Congo bakomba général bakomba colonel à cause ya Kabila na katamboka oyo fini avec ses aventures fini avec insulte à marque wana ya kozwa ba soldats de rang bakomba général na katia armée congolaise fini avec ça avec Tshisekedi vous comprenez et on est là qui à la base il y a infiltration et c'est là qui à la base il y a ko fragiliser armée na biso. Vous comprenez? Des brassages et des mixages Oyo, Kabila et Lébisou Nakatamboka Oyo. Mais au cas où résistance et Pesame Kotoba M23, vous respectez, fait des routes, toi, dans le Moka, qui sera la suite? La suite, vous allez face à conséquences au Sibi. Et on l'a dit Bemba. Mais c'est pas aujourd'hui, Baneka, bon, on va quitter le président Noana. Sinote. Oui, Tshisekedi Aza respectueux à ma texte. Vous comprenez? Tant que la diplomatie n'est agissante de par le monde, et ça qui peut faire comprendre que mon pays est agressé par le Rwanda. Vous comprenez? Il s'attendait à la solution Mokoboye aux alliés diplomatiques. Je pense que sa voix a été déjà entendue par le monde. Et cette fois-ci, maintenant, la voix est comme une voix, il y a guerre. Vous comprenez? Ce qui M23 s'entêtait, à cause de la puissance, il y a fait. Je crois qu'il y a Bemba. Lorsqu'il avait convoqué le chef d'État, chef d'État-major, il y a l'armée aux États-Unis, dans le cadre de la force régionale, il a été clair avec eux. À l'objet, les M23 n'ont qu'une seule option. Vous comprenez? Il y a qu'à quitter les sols congolais officiellement et totalement. Au cas contraire, il y a qu'à subir rigueur et à moto. Il y a subir fait. Parce que les FARDC, les lots, ils ont une position en force. Vous comprenez? L'armée rwandaise, quand on a l'armée ougandaise, va faire face à l'FARDC. Vous comprenez, c'est une conséquence, parce que Tshisekedi a montré sa bonne foi à la face du monde que mon pays est agressé par le Rwanda. Bon, trouver ma solution, mon coboyé, diplomatique. Mais moi, je pense que la communauté internationale va ça sourde oreille. Lorsque le Congo va commencer à frapper, les conséquences, on va évoluer les conséquences sur les Katsuan. Marseille, nous aussi éclairci ba yimboka situation ya ba 1.3 na 4 ans. Maintenant, partie est na mitsu na ils ont la température ni actuellement. En tout cas, Lelo hormis peut-être avant-hier au Zalaki affrontement mais Salama qui entre les M23 au d'ailleurs na kan ba M23, ils ont enregistré beaucoup de morts. Ba Salaki face na force d'autodéfense na biso et ba Maïmaï au ba Poudria qui mon amboka fiké kagama zo benga bango ba ce sont ba RDF ou bien maintenant Sakaye ou bien RDC pour soutenir Bango. Kagame, ses aventures sont comme une souka. Le prétexte est comme une souka. Si c'est déjà Allah qui sent à la face du monde que c'est un messier ou Azali vraiment un aventurier. Parce que le prétexte est comme une souka. Ou non, on a un FDLR, on s'est mis en sécurité. Or, déjà, les FDLR sont déjà inactifs dans le Congo. Parce que si nous avons un cadre, bêta machine, nous avons un cadre, si 2020, combien d'années? Est-ce que vous pensez que ces FDR sont toujours actifs dans le Congo? Et à combien de fois l'armée rwandaise, RDF, a été dans pour traquer les FDL à l'époque de Kabila? Je crois en plusieurs reprises. Vous avez un prétexte, vous avez coupé ces possibilités au côté de la Kabila, ou tu sais qu'il déjà a balayé dans le revers de la main. Le lieu l'accès en face du monde qu'il n'y a pas de FDLR dans le Congo, ou bien menacer le pouvoir, il y a Kagame. Sauf que Kagame, par ses intentions, il y a qu'à nuire Mboka na biso, il y a qu'à piller nos richesses, Lelo ses aventures comme une souka. Voilà pourquoi Lelo Kagame n'a plus le choix. Ils allaient qu'à récupérer l'armée naïe, à zone en Mboka naïe. Au cas contraire, à qu'à subir la force, il y a force, il y a FARDC. Merci beaucoup, mon Mboka Marseille. T'as bien dit ce que tu as là directement. De ce monga chouchou ou mon koalolo persécution ça amène à quatre affaires menées à Kindo bon à quatre ancelles en bouca banquette de continuer à continuer dans la deuxième mouraga n'est-ce pas que ces députés là rwandais touchi monga chouchou c'est un danger pour la république voilà maintenant ces soi-disant députés ou bas humain pour en soutenir rien
Bah, par rapport à la persécution, perquisition et salami, na ferme nénan seli. C'est un danger. Na ebi sa ki bino ke, azan na ba cache d'armes partout na ba territoire rebelle. Ces caches d'armes, ils ont une position avancée. Il y a M23 dans l'armée rwandaise. Voilà pourquoi Lelo maintenant, tous ces réseaux, et comme ça a démantelé, tous ces caches d'armes, ils ont été passés par là, par le régime. Il y a Sony, il y a des choses dans le cannabis, et comme ça a été mis au grand public. Ces messieurs, en tout cas, ils méritent la prison. Même pendaison. Parce que c'est un danger pour le Congo. C'est lui qui est à la base. Il y a une tuerie de trop, plus de 12 millions de tuerie dans le cannabis. À cause des minéraux congolais ont couffé de trop dans la partie est, à cause de ces messieurs qui est la plaque tournante. Il y a mafia nyonso et minéraux congolais dans la partie est dans le cannabis. La vérité est éclatée au grand jour. Voilà pourquoi la première fois, il y a une perquisition dans le Gombe, il y a une cache d'armes. Il y a une perquisition dans le Gombe. Pour quel intérêt Bakosala coup contre Mwanga Chuchu? Il y a eu que la fois passée que Mwanga Chuchu a été méconnu dans le public. Or, c'est lui qui jouait la grande partie à complot en Mboka. Il n'y a pas de mission à Mwanga Chuchu. Les loyo nos services bah ça qui perquisition en boka nanda kunaye bah retrouve bah cache d'armes ces messieurs c'est un danger public pour le Congo. Voilà aujourd'hui n'importe qui yo le col a bah arrêté yé les loyo na loi chanye leki ils ont dit débit à délivrance en boka nabiso. Voilà les loyo Congo est commis en voie y a délivrance n'ango na maboko y a bah criminel économique Mwanga Chuchu na maboko y a bah criminel au bas du peuple congolais pendant plus de 3 décennies. Merci beaucoup, Madame Boka. Marseille, nous aussi éclairci sur un dossier Mwanga Chuchu qui n'est pas sûr que ça la persécution, vélu descente forcée, la carte à faire mener à Kindobo, te biter ma bon mami na carte soana, ni assez tôt quand on a prochaine audience. Tout le dossier aussi côté la opposition et la République du Congo et au Sénégal qui n'a qu'à dire Lubumbashi, tout le monde est présent. Il y a mon amour Martin Fayulu, Matata Ponyo, et si Moïse Katumbi et Denis Sessanga. Et tant que vous avez un amour, une analyse politique, vous avez un amour, bloc et opposition, vous avez un amour. L'opposition n'existe pas au Congo. Vous avez un conglomérat. Je pense que lorsqu'on parle de l'opposition, il y a un seul parti en notre opposition qui dépêche. Opposition, c'est ça, on a 4 bureaux. Opposition, c'est ça, on a 4 médias. Opposition, c'est sur le terrain. On a qui s'habille réellement que aux gens, la population derrière vous. Alors, aventure, c'est ça, on a 4 il y a Katanga, ils allaient juste conglomérer, aventurer, s'engager pour la Kosolola, pour l'Italie, peut-être, faire un peu de ça, il y a côté Congo. Je pense que les lots sont dans la sphère politique du Congo. Il n'y a pas de vrais Congolais. Les lots sont là pour les étrangers, la politique active en Boko Nabiso, pour que les gens soient dirigés. Il y a un peu de monde. Passer à Batounion Soana, ça laisse à désirer. Passer à Batounion Soana, sombre, sur le Katumbi. Katumbi a été parmi Batounion, pillé Mboka Oyo pendant 18 ans. Il a été gouverneur dans Katanga pendant 12 ans. Il a pillé les minéraux congolais. Sur le Matata Ponyo. Il a un dossier, Ezali na kata justice congolaise. Il a détourné plus de 208 millions de dollars. Il y a Mbonga Bukangalonzo. Vous comprenez? Sokozui Deli Sessanga, c'est un rebelle. Il a comploté avec les étrangers pour le Congolais na kata rébellion. Est-ce que Sessanga batoua no tangilanga baba Congolais réellement? Sokozui Fayulu lui-même, il a été à la base. Il y a Kozangi Saba Congolais, gouverneur Yavi la Kinshasa, en 2006. Il a voté pour le PPRD. Est-ce que tous ces gens, tous ces conglomérats d'aventuriers, nous sommes opposants? Je pense que nakat na bango opposants alité. Ce sont des commerçants politiques au ba na politique pour la commerce na bango. Du reste des peuples bi bango té. Il ba na crédit à peuple té. Peuple ba pèse bango confiance té parce que c'est ezali conglomérat ba aventurier. Ba se retrouver autour ya ba faire na bango privé, affaire na bango ezali politique. Oyé ça la ka ba lia, ba vivre, ba laisse moi si na bana. Du reste ce ne sont pas des opposants. Ils sont tous sauf des opposants parce que tous ces gens, personne n'a fait l'opposition dans ces pays. Personne. Moïse n'a jamais été opposant. Bazala à la base, il y a destruction en Mboka Oyo. C'est lui et le PPRD dirigeant Mboka Oyo. Il a été gouverneur na Katanga pendant 12 ans. Oyebi gestion na zalaki calamiteuse. Gestion na zalaki opaque na Katanga. Et c'était un tel monsieur aujourd'hui benga opposant na Congo. Moi je pense non. Lorsque il est passé au Bunda en 2006, papa Étienne a ébissi bango ke
bokende ba élection oyote Fayulu akenda ba élection oyo akenda ko légitimer pouvoir ya Kabila na 2006 vous comprenez a vota au profit ya candidat ya PPRD au détriment ya candidat ya MLC Zalaki mwana mboka Adam Bombole qui devait être gouverneur na ville Kinshasa lelo asibimi c'est ça dit opposant moi je pense que parmi tous ces gens il y a pas un opposant ce sont des opportunistes politiques politique est bango goût parce que politique mongo ezalaka bah c'est improvisé comme bah politicien vous comprenez moi je pense que Fayulu il faut qu'il sonne il était maire perdant dans l'élection 2018 est-ce que c'est lui qui devait aller vers Katoum mais pourquoi ça ne passe pas mon amour réputation mon amour mais ça a me quitté c'est ma baigne sali mon amour et sali biso pas c'était notre biso yo ezali muto osa l'opposition mais ebeloka ou gratter le corps salaté vous comprenez. Je pense que c'est lui qui devait fédérer tous ces opportunistes autour de lui. Parce que c'est lui qui était le meilleur perdant en 2018. Mais comment est-ce qu'un président de football, Azo Bengisayo, qui se réclame président de football, vous comprenez, Moïse Katumbi, qui du reste ne connaît jamais la politique, à Bengisayo, qui se réclame opposant, qui se réclame que Ozali Mouane et Tshisekedi, à Bengisayo, à Katanga, à Bokeh, à Bale, ou à Mamba politique. Qui du reste, à lui politique, était. Voilà comment on a dit que Fayulu est un opportuniste politique. Du reste, ce ne sont pas des opposants. Si réellement il était opposant, Nakarir Naye, qui était meilleur, deuxième meilleur perdant, meilleur, premier meilleur perdant dans l'élection 2018, a reconnu vers Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi est tout sauf opposant. Parce que c'est un commerçant, c'est un meilleur président de football. Il n'est pas opposant. Mais comment lui qui se réclame opposant, les fils de Tshisekedi peuvent être derrière Moïse Katumbi? Allez-y comprendre. C'est ça que vous allez conglomérer d'aventuriers, des opportunistes, au bah une carte politique à Congo pour nous s'enrichir uniquement. Les preuves sont là. Oh, Moussa Zalaki, premier ministre de Mboka, il a eu à détourner 208 millions à Mboka Bukangalonzo et il a porté disparu. Il a un dossier dans le niveau de justice de Nabiso. Vous comprenez? Moi, je pense que les Congolais, ils sont un peu conscients. Ce que les talibans, leur nationalité est douteuse. Tous ces gens-là. Vous comprenez? Ma tante Ponyo, Azalaka premier ministre Namboka Nabiso. Vous comprenez? Ma tante Ponyo, Azalaka premier ministre Namboka Oy. Mais Soko Zui, l'ancien premier ministre Nabiso, à l'époque à Mobutu, vers les années 90, moi Namboka, Vincent de Paul, Lunda Bouloulou, à Ebisa Biso Boy. Lorsque je fus premier ministre au Zaïre, Matata Mpono Zala qui chargé à mission il y a Rwanda dans Kacha Zaïre. Ce n'est pas moi. Président. Interrogez l'histoire. Président. Les archives sont là. À Lobaki Bouye. Vincent de Paul, Lunda Bouloulou. Premier ministre vers les années 90. À Lobi, lorsque je fus premier ministre au Zaïre, Matata Mpono Zala qui chargé d'affaires, chargé de mission, pardon, voulais-je dire, il y a Rwanda dans Kacha Zaïre. Mais a commis Moutamanié Mandengeni. A commis Congolais quand? Quand est-ce qu'il a acquis la nationalité congolaise? Vous comprenez un peu ça? L'autre est là, Moïse Katumbi, tenu de nationalité naïe. Maman zambienne, papa grec. Ozuli Soussou, Moussousouana, Fayulu, tenu d'origine naïe. Vous comprenez? Tous ces gens-là, ils ont passé dans Bango, Ezali, Malamu Mingite, dans le peuple congolais. L'autre là, qui s'est dit congolais, Deli Sesanga, il fut d'abord rebelle. Il a tué le peuple congolais dans la rébellion. Vous comprenez? Azaki Nangambu, il y a un ennemi à Congo, RC de Goma, parti à Rwanda. Voilà pourquoi je t'avais dit qu'il y a des Congolais inconscients qui font toujours léger à l'ennemi. Mais il y a des opposants qui ont la bloc. Parce que tout, ils ont répondu toujours à la maître occidentaux pour faire face à mon amour à Félix Tshisekedi. Il y a un autre, comme il est là. Mais il y a des blocs. Tous ces étrangers, ils ont Congolais inconscients. Oh, bah, c'est manipulé par les Européens. Bon, ça, la bloc, mon corps. Le bloc, on est salami. La carte, c'est le Bumbashi. Merci beaucoup, Mme Boka Marseille. Il est aussi coup de cordiguer, selon vous. À propos de lui, il s'engage à Rayou. Ça n'engage que moi, parce qu'il y a une histoire en Boka Nabissou. Merci beaucoup, Mme Boka Marseille. Dossier le père et le maire. Le récit, bah, dans ce belé. Bonjour, ben, souvent, bah, il y a des moulingues. Ils sont le Rwandais. Bah, est-ce que bah, vous avez la peine à. Le problème est dans le dossier le père et le maire parce que ce sont les Congolais. On va réclamer ce sont les Congolais. Quelle sera la suite dans le dossier le père et le maire du côté Banyamulenge? Dossier il y a des pères et des mères, les Congolais vont comprendre bien. Ils vont dans la diversion, dans l'amalgame, dans l'ennemi en Mboka Oyo, où ils ont l'église catholique, où ils ont l'organisme internationaux,
na certains diplomates. Vous comprenez? Ba confondre yango na congolité. Le Congo c'est un pays souverain. C'est lui qui a estimé que na na besoin comme congolais soit remplir ba formalité na ba opé nationalité. Cela n'empêche que vous soyez commerçant au Congo. Moïse a sala commerce na ba ya ba mbisi na mboka au calmement. Vous comprenez? A sala commerce na ba mbisi calmement a dirigé équipe à football na biso Mazembe, un grand club na mboka na biso. Nana posé un problème, bien qu'il n'est pas congolais. Nana posé un problème. Vous comprenez? Il a été gouverneur dans ces pays, a dirigé Katanga et posa problème té. Mais les Congolais va comprendre que à cause il y a infiltration lelo mboka na biso il y a trouble. To meka un peu ko verrouiller les fonctions régaliennes ya mboka na biso. En commençant par les chefs de l'État, fonction à chef de l'État, fonction ya chef d'État major. Mon mboka na banque d'Isaïe, banque na biso, banque congolaise oui. Pour être gouverneur ya banque, landanga bien. Pour être gouverneur ya banque, il faut être congolais de père et de mère. Est-ce qu'on comprend? Il y a une loi na banque centrale na biso. Mais boni na Congo, na sommet de l'État, bazo pekisa Congo a appliqué la même loi au sein na banque centrale na biso. Et ça contraste. Ce qui na banque centrale na biso. La loi dit que pour être gouverneur de la banque centrale, il faut être congolais de père et de mère. A combien plus forte raison pour être chef de l'État. Pona nini moi na mboka a mbongo aloba pona banque centrale ti. Mais to mona ye a mbongo qui prétend aimer les congolais aloba boyi pour être professeur na ba église na ba école catholique, il faut ça la catholique. Il y a discrimination ti. Est-ce que un noir a kokoma pape na monde oyo par rapport à balona bango canonique hier amour a comme pape lobby a postulé comme pape na carte Vatican. Alors basi ko ça ba ventir wana on comprend cette loi est salvatrice dans notre pays. On comprend ce qui na banque centrale na biso ce qui chef d'état major il face à la congolais de père et de mère papa a combien plus forte raison na niveau ya sommet à l'état tout chabe étranger. Cette loi est salvatrice en de plus aux congolais inconscients, en de plus aux congolais manipulé par les occidentaux. Cette loi doit passer. Et moi, je ne vois pas pourquoi moi, Nambo Kamboso, on s'explique ça et là. Il n'a même pas à s'expliquer auprès de diplomates étrangers. Déjà, il faut évacuer. Si déjà va inscrire yango pe na session oyo loi sur le référendum parce que constitution o ba ela biso oyo ezaki tay sur mesure constitution o ba ela biso o ba imposa biso oyo par le régime ya Sony à 18 ans et pe ça qui avantage na cette fameuse communauté banyamulenge na ebisa o kende kotanga article 51 ya mboka oyo o comprend. Donc cette constitution oyo est taillée sur mesure. Parce que bangonde bazali à la base ya ko semer trouble na kata mboka na biso cette communauté. Bangalate, balubate, banyamulenge kaka. Naute ko yebisa yo awa toutes les tribus au Congo sont minoritaires. Mais bango banyamulenge qui se réclament congolais, pourquoi toujours c'est eux qui sèment les désordres dans ces pays pendant des années kaka cette communauté là. C'est pour vous dire que baza ba congolais té pour reconnaître bango ba congolais ceux qui bazwa nationalité congolaise pour reconnaître ba congolais mais ba revêté ko diriger Congo lobby ba revêté parce que un congolais un rwandais d'origine congolaise a ko diriger Rwanda té ce que je congolaise na biso o azali je crois directrice générale ya Rwanda par rapport à nos informations son père asa congolais. Mais vous pensez que cette dame-là, Makolo, peut diriger le Rwanda demain ou après-demain? Jamais. Ça ne se fera jamais. Mais pourquoi maintenant, Baliba Salango inverse na Congo? Nous disons non. Na otu ebisayo awa, soki na banque centrale na biso, Congolais de père et de mère, il faut diriger yango, à combien plus forte raison na sommet de l'État? Papa, c'est clair que ça. Moi, je pense que cette question ne nécessite pas. Moi, Namboka, président de l'Assemblée nationale, à Tchalouawana, va débattre un jour suffit, va voter un autre. Vous comprenez?
makambo insécurité na partie est est préoccupé biso. Cette question là de la ya loi Tchani, ce n'est pas un problème, ce n'est pas d'ailleurs tout seul on débatte. Il y a pas un débat là-dessus. C'est une loi pour sauver notre pays. C'est une loi pour verrouiller les fonctions régaliennes de Mboka na biso. Donc moi je pense que c'est ça. Cette fameuse communauté Banyamulenge va s'occuper na commerce, va s'occuper na kozala ba ministre comme l'un des asa ministre lelo, va s'occuper na kozala ba conseiller na banakata ba ministère comme certains ba nini, d'autres ba ministre lelo. Ba ministre Ozaki, ministre a payé lelo. Mais il est Banyamulenge non? Toboye kozala ministre était, ministre ITP. Asa ministre il est Banyamulenge, toboye était. Mais Toboye ne fonction chef de l'État. Pour nini, par hypothèse, Moïse Katumbi président du Congo, n'est-ce pas? Nationalité naïe, ils a douté. Azali, des pères juifs, des mères zambiennes. Lelo Oyo, Congo Nabiso. Vous avez vu que récemment, na pouvoir Tshisekedi, en 2019, Congo est contre conflit en Zambie. Je crois, vous avez vu. Les militaires zambiens, ils ont occupé côté Nabiso à Mobakuna. Vous comprenez? C'est quoi? Katumbi, président du Congo. Congo est continué à confiner à Zambie. Il y a une loyauté à Katumbi et Zanambokani. Comment on doit réfléchir? Mwanga Chuchu, président du Congo. Congo est continué à confiner à Rwanda. Il y a une loyauté à Mwanga Chuchu et Zanambokani. Ce qui déjà, il est député, a trahi le Congo. Ce qu'on peut essayer, magistrature suprême. Allez-y comprendre. Katumbi, wana lelo. Qui se réclame congolais. En 1999, à Funda Congo, Musée président, Bakanga ba minerai à Congo na Zambie. Moïse Aloba qui dit non, Congo est fait devoir yé mbongo na yé. L'anda bien, c'est Moïse Katumbi qui se réclame congolais aujourd'hui. Hier, à Funda Congo, à l'époque à Musée, Bakanga ba minerai congolais na Zambie. Vous comprenez? Comme quoi, ba congolais, il faut ba devoir, moi na mboka Zambie mbongo na yé, ou Bakanga, et Bakanga ba minerai à Congo. Tout ça va zo bate. Et ça a passé beaucoup récent. Moïse Katumbi Mutasala Yango, avec Moussé, à Funda Congo. Et nos minéraux ont été interceptés dans Zambie. En son temps, il était Zambien. Les lois commis Congolais. Tout ça a été battu quand même. Tout ça a été battu. Merci beaucoup, mon ami Marseille. Nous avons une minute d'invité. Nous sommes presque à la fin. Mais là, je suis venu à connaître bien beaucoup de partenaires de mon ami Marseille. Nous avons interpellé toujours la jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier. Makambu ojo le kanamboka na biso eza pour intérêt na bango na lobango autre fois au cours d'une émission. On comprend le premier héritage au Nzambe a pesa na mutu ezali mabele na ye. Vous comprenez que nous devons à tout prix, même au prix de notre sang, ya ko défendre yango. Aujourd'hui lo Israël comment défendre mabele na ye. Mais comme si la jeunesse congolaise ezali na kata ba distraction. Vous comprenez lelo oyo mabele na biso yango les ali richesse na biso auto ko légué na bana na biso lobi ce qui lelo déjà tomi ko ko pesa na mboka ba étranger lobi kuna ba ko benga na biso na mboka oyo par les rwandais et par les zambiens to fungola misu cher congolais. Vous comprenez que nos députés baza face à responsabilité na bango. Cette loi esa question à débattre. On n'a pas besoin au ça débat là dessus. Vous comprenez? Ba aligner yango, ba voter yango et du reste tout les grands makamususu ya ko chakimia ya ko pacifier parti est na biso. Vous comprenez? Nous pouvons pas toujours ko revenir na loi Tchani père de mère qui est du reste Congo a les droits ya ko verrouiller ba fonction régalée na mboka na ye. Vous comprenez? Sans pour autant qu'on soit injonction moko ya libanda ya ba dicté ya ba impérialiste non. Vous comprenez? Que ba congolais ba la muka soko zui mukanda ya Nzambi. Vous comprenez? Na mukanda Exode chapitre 17, verset 15, et le biboye. Boko pona roi étranger te. Papa, même la Bible nous interpelle. Boko pona étranger parmi bino ta dirige bino. Et ça l'est biblique. Vous comprenez? Ambongo a tenu la Bible, sa pasteur. A ebi verset oyo bien. A ke de gotanga yango. Vous comprenez? Deutéronome 17, verset 15, et le biboye. Boko pona roi étranger na mabile na bino ta dirige bino. C'est clair que ça. Mais comment Ambongo qui est pasteur nous demande to pona ba étranger? Va diriger Bissou. Et ça lui contraste. Même lui-même qui est pasteur, il sera sanctionné par Jésus-Christ. On comprend? Si la Bible nous interdit, si la Bible interdit aux Juifs, il y a qu'on pourra étranger diriger Bango, allez-y comprendre. C'est que Jésus-Christ, il y a danger, il y a qu'on pourra un étranger à diriger Bino dans Mbokanabino. Parce qu'il est prêt à tout. Il est prêt à côté quand même Mbokanabino. Vous comprenez?
Et si vous prenez un commerçant, Moutate Kaka Ati Kaka Mbisi, Ocha dirige Congo, mais à quoi brader nos minéraux? Il va brader tous nos minéraux, papa. La preuve est là, Bate Kaka Minéraux Congo, lorsque le Bazaki va gouverner Namboka, Oyo. Et mon PCM maintenant, tête Yamboka. Mais il est aussi là. Parce que, oh, il y a des gens qui ont fait le commerce. Je suis en Babali. Bapé Saye a dirigé la fédération congolaise de football. Et vous allez mieux. Le football a besoin d'évoluer. Il reste la politique avant d'aller dans ma politique. Vous comprenez? Comment ils ont la poubelle? Vous comprenez? Pourquoi ils ont la poubelle? Que la jeunesse congolaise bat Lima. Derrière nos députés. Tu as vu que Mbongo est circulé déjà. Mais tu as vu que Louawa n'est pas passé. Parce que Louawa est une salivatrice pour Nambo Kanabisu. Il reste de Pessimi Nombote. Merci pour mon numéro de téléphone, président. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. C'est le président Marcel. Balingi, tu continues ma solo. Oh, tu as à travers ces numéros. Tu continues l'information. Tu as bien. Bon, mais c'est maintenant que tu à travers la chaîne Oyo Congo Live. Oyo Zali chaîne, il y a référence. Oyo Pesa, il y a bonne information. Banalise à Malamu. À la prochaine, Tokutani. Bye bye. Thank you.